Eh bien bonjour à tous, c'est Informant. Aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 7 de notre carrière subie sur la map Ravenport. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement aller faire du renouveau. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai 114 000 euros. Voilà. Donc comment j'ai fait pour avoir autant d'argent? Bon, déjà j'ai vendu la toute petite benne de 10 tonnes. Là où j'ai vendu la benne de 10 tonnes, j'ai acheté cette benne là, voilà. Donc j'ai pris celle qui est articulée, j'ai envie de te dire. Pour la simple et bonne raison qu'elle coûte 2000 euros de moins que l'autre benne. Appelé, voilà, comme vous pouvez le voir ici, il coûte 2000 euros pour la même capacité. Pour la même capacité, excusez-moi. Donc voilà, donc, ah bah tenez, qui appelle en pleine vidéo, hein? Allô? Ah bah là, je suis en pleine vidéo, donc si tu veux. Donc voilà. Ah, de quoi? Yo. Tu sais, tu peux parler plus fort, y a pas de soucis. Normalement. Ah. Non, normalement, je t'entends un peu plus fort, enfin bref. C'est Du avec l'autre coup. PC, Hein? c'est avec l'autre PC, peut-être. Ah ouais, peut-être. Ah, je l'ai ok, je sais pas ce que j'ai, enfin bref. Du coup, je vais aller vendre cette petite. La maison, parce qu'elle me sert à rien, pour la simple et bonne raison que j'ai le mode pour accélérer le temps x12 000, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'accélère le temps. x12 000, du coup, la maison, elle me sert à strictement rien. Donc c'est. Hein? Ça sert à rien, même sur notre partie multijoueur. Ouais, mais. Sur la partie multijoueur, c'est tout simplement. Voilà, elle était vendue. Sur la partie multijoueur, c'était tout simplement histoire de. Voilà, quoi. Pas que ce soit trop facile non plus. Du coup, voilà, du coup, on a vendu ça. J'ai vendu le sommet. Non, je n'ai pas encore vendu le sommet. Le sommet K. Donc voilà, il est là, le petit sommet K. Voilà, on va le vendre. Voilà, on est à 328 000 euros. Voilà. Donc, je voulais encore faire un truc, c'est peut-être placer un nouveau bâtiment là, un bâtiment de stockage, parce que celui-là commence à être un petit peu plein. Voilà. Donc, il va falloir que je prenne le pull V, vu que j'ai pas de chargeur. D'ailleurs, chose que je vais faire, c'est que j'ai acheté un nouveau tracteur avec un chargeur frontal, pardon, cette fois-ci. Voilà. Et puis, on va pas seulement acheter un nouveau tracteur et un nouveau bâtiment, on va aussi. Bah en fait on va réparer tous nos véhicules. Enfin tous mes véhicules en fait, je vais tous les réparer parce que je les ai pas réparés depuis le début du jeu. Donc comme vous pouvez voir, il y en a qui sont à 16% de dégâts, ce qui est énorme. Autrement dit, j'ai pas fait d'entretien ni rien, j'ai juste utilisé. Donc voilà, donc toi, hop, essayer de les mettre ici. Oh putain, espace insuffisant pour décharger. Ta grand-mère aussi, elle prend trop d'espace. Enfin bref. Voilà, on va le laisser là. Voilà, du coup, on va y chercher le petit truc à. Merde. À engrais. Rappelez. Voilà. Du coup, on va décoller ça. Et là, je pensais mettre un petit bâtiment. Voilà, un petit bâtiment de stockage. Ça coûte pas cher de toute manière. N'est-ce pas, Guillaume? Hein? Il est même pas dans la vidéo, lui. T'as l'impression il est là pour être là, mais il est ailleurs quand même. Appelez. Oui, j'ai cru que j'allais taper. Voilà, du coup, je pensais mettre un petit bâtiment ici. Cabane. Enfin, s'il veut bien m'en foutre un là-dedans. Là. Non, mais je vais pas le mettre là non plus. Faudrait le mettre ici là. Ça me ferait chier de devoir le mettre ici. Ah, mais ce que je peux faire à la limite, c'est le mettre ici et puis mettre. Voilà. Et puis à la limite, mettre le petit réservoir à fuel derrière. Genre, je le mets ici le truc à fuel. Tu vois, je le mets ici là sur le côté. Nickel. Voilà, comme ça on a le deuxième petit bâtiment de stockage. Ça va être bien pratique pour les bâtiments. Voilà, du coup on a la petite citerne à fuel, ça va m'éviter d'aller en ville à chaque fois. Du coup on a dépensé pardon, 15 000 euros là-dedans. Donc il va nous rester encore 1000 euros à dépenser dans un. Enfin 1000 euros, beaucoup d'argent plutôt à dépenser dans un tracteur. Du coup moi je sais pas quel tracteur prendre. Guillaume, tu me conseilles quoi comme tracteur? Merci.
Bah c'est 176 000 euros quand même, c'est un peu cher, je trouve. Parce que oui, je vais acheter un tracteur moyen. 15. Lequel? Je sais pas. Merci. Parce que moi, j'ai un petit Landini en mode là qui est assez sympathique. Il coûte 130 000 euros pratiquement. Je crois que je peux le monter à 185 chevaux. On va regarder vite fait pour les moissonneuses. Ça se trouve, je peux m'acheter une autre petite moissonneuse. Ah non, ça va coûter trop cher là, à ramasser. Si je vends ça, ouais. Mais il me faut quand même un deuxième tracteur. Ouais. Enfin, ouais, il me faut un deuxième tracteur. Ouais. 202 000. 202 000. 202, 250 000 à peu près. Et si je vends ma moissonneuse, 250 000. Et ça va me faire au total, tac tac tac, plus 80, ça va me faire 370 000. Ça va, il me restait 120 000 euros pour un tracteur. Ça veut dire que je vais pas pouvoir m'acheter le Massey, enfin le Landini, pardon, mais par contre je vais pouvoir acheter un petit 6M. Est-ce que lui on peut lui mettre un bâti de fourche? Oui. Un bâti de chargeur. Le problème c'est qu'il fait pas beaucoup de chevaux, hein. 135, ouais. Du coup je sais pas, Guillaume, est-ce que je prends une nouvelle moissonneuse? Que pour l'instant celle-là elle fait le travail, mais ça s'arrête là quoi. Que oui, parce que tu vois, si j'achète celle-là, ça sert à rien de l'acheter en fait. Parce qu'elle prend juste un mètre de plus, quoi. C'est que dalle. En plus, la trémie elle est plus petite. À la rigueur, il faudrait que je m'achète celui-là. Non, du coup, pour l'instant, j'ai pas changé. Je vais plutôt m'acheter le petit Landini. T'es d'accord ou pas? Ouais. Voilà, donc ouais. En noir, ouais. Ok, ça change que dalle. Ah, mais je peux pas mettre de chargeur là-dedans. Là. Y a pas moyen de mettre un chargeur là-dedans. Ah, si. Bâti de fourche. Nickel. Landini. Il a 3 000 euros de plus, ça fait cher quand même. Hein. Mais bon, on gagne 20 chevaux. Ouais, bon, je vais le faire. Bien. Est-ce qu'on peut lui mettre les roues étroites? Oui. Vous savez quoi? Je vais me l'acheter. Voilà, 134 000. Ça pique. Ouais. Mais il faut investir. Bah. Voilà, le petit Landini. On va acheter un petit chargeur avec. Parce que du coup, j'ai mis le bâti de fourche. Mais si j'achète pas le chargeur, ça va pas le faire. Ah, Guillaume, arrête de te foutre de ma gueule. Merci. OK. Oulé, j'ai un petit coup de lag. J'ai un petit coup de lag. J'achète le grand ou le petit chargeur? On va s'occuper du. On va 1, 2, 3. On va rester sur le petit pour l'instant. On va prendre ce petit godet là. Ça va le faire, hein, c'est pour l'instant. On allume le petit moteur. Donc bien évidemment j'ai testé le Valtra, enfin le Valtra, n'importe quoi, le Landini avant de lancer la vidéo sur une autre partie, hein. Histoire de tester quand même, hein, pas que je me retrouve avec un tracteur à chier. Voilà. Et bon, j'ai juste encore un petit peu de mal avec les roues, mais bon, c'est pas bien grave, on va dire. Attends, est-ce que je peux investir genre dans une. Que à la limite ce que je ferais moi c'est faire du foin. Est-ce que je fais du foin? Ou alors je fais du maïs en silage. Est-ce que le maïs en silage ça se vend bien dans ce farming là? Ah déjà c'est quoi le logo de l'ensilage? La grange, non, Ouais. filiation, ranch. Il n'y a pas de biogaz là-dedans? Ah Si il y a du merde. biogaz. Pourquoi il arrive pas là-dedans? Ah bah je sais pas. Non mais on peut pas avoir le prix de l'ensilage ou quoi, merde. Ah non. Et comment tu vas faire du coup pour savoir? Les miens. C'est vrai. Parce que du coup moi ce qu'il faudrait c'est que je m'achète une ensileuse. Bon je sais déjà que je vais pas réussir à 300 000 pour le moins cher, ça va être un peu compliqué. Ah ouais. Attends moi je cherche ça dans. Merde. Je cherche ça dans le mauvais endroit. 38 000 ouais. Merde, c'est con.
Oh, Guillaume, arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Qu'à la Hein? rigueur, il faudrait que je m'achète ça, mais je le louerai. Planteuse, je crois que j'ai mis un mod en plus. Ouais, 54 000. Au pire, ce que je vais faire à la rigueur, c'est je vais... Dans le prochain épisode, on va faire du maïs, on va... 1, 2, 3, j'ai perdu le mot. On va semer du maïs dans le prochain épisode et dans l'épisode encore après, donc l'épisode 9, on va aller le récolter. Mais par contre, je vais louer les machines. Je vais les louer parce que sinon, bah, ça vaut pas le coup de le faire, quoi, très clairement. Parce que pour l'instant, Bah. des chômeurs à disque, ce que j'en ai vraiment besoin. Bah Vu que j'ai la herse rotative à l'avant du semoir, au pire, un semoir, tiens. Ça et ça. Ça fait combien? 4 mètres. sûrement. Ouais, allez hop, on achète, pas bien grave. Voilà. Moi je joue en multijoueur. Comme tu veux. J'ai acheté ceci par la même occasion. Voilà, du coup là on va emmener le petit poulet. Ah Tiens. On va amener ça à la ferme. d'accord. Voilà. On va aller emmener ça à la ferme et puis bon bah après on va aller vendre le semoir avec le machin à l'avant, la rotative, la herse rotative. Puis on va aller comment dire, après on va aller réparer les véhicules et tout ça. Puis ça va déjà être la fin de la vidéo parce qu'on est déjà pratiquement à 12 minutes de vidéo. Maintenant c'est un gros vent que je me suis pris par Guillaume. Enfin Hein? voilà. Non, je t'écoute pas en fait. Ouais, je sais, justement. Ah bah Mais Guillaume, du coup, tu veux tourner une vidéo après en multi ou pas? non, pas trop envie même, tu vois. D'accord, comme tu veux. Reprends un petit Doliprane. Ah, malade. Non, c'est j'ai mal à la main. Ah oui, merde. Moi, je me confonds avec les paracétamol, moi. Enfin, bref. J'ai trop mal, je peux même plus bouger là non. Par contre, ça va pas. Mot de passe erroné, ta mère elle est erronée aussi. Ah, il y a un petit, bon, il est pas bien fait le personnage, c'est pas bien grave. C'est quoi le mot de passe déjà? Je le dis pas maintenant quoi. LOL 1, 2, 3, je crois. Attends, Guillaume, c'est pas ça, mais je te le dis en privé. Ah, du coup, je vais juste faire en pause, excusez-moi. Tacler. Bien. Ah bah c'est à peu près pareil, j'ai oublié le 4. Fous de ma gueule, je vais devoir changer de mot de passe quand même. Hein, Guillaume, Hein? je vais être obligé de changer de mot de passe. Faut pas faire, ils savent pas c'est quoi quand même serveur. Mais même. Mais t'inquiète. Ah, mais je te le dis, je vais le changer le mot de passe du coup. Mais non. Mais si. Allez non. Parce que tu sais que je peux le faire. Enfin bref, du coup, passons à autre chose. Appelez. Du coup, vu que j'ai mis ce bâtiment là, hop, on va pouvoir le caler ici, le petit déchaumeur. Oh, Guillaume. Mince, j'ai oublié que t'avais remis la vidéo. Oh là là. Bah quand c'est pas trop petits points, c'est trop petits points. Hein? Quand c'est pas l'épée, c'est l'héros. Ah, je te disais trop petits points et tu comprenais pas. Maintenant j'ai compris et j'aurais mieux fait de pas comprendre. Enfin bref. Est-ce que là, ouais. Question que je me pose. Est-ce qu'on peut vider le semoir? Parce qu'on peut vider le pulvée, mais est-ce qu'on peut vider un semoir? Pour moi ça m'arrange. Ah bah tiens, on peut. Ah bah nickel. Parce que du coup ça doit aussi le faire avec avec le calque. Enfin bref. Du coup, eux, je vais aller les vendre directement et puis on va ramener le combiné, oui. Je vais dire la combinaison, mais c'est le combiné. Et puis après, on va réparer vite fait les véhicules. Ça va être déjà fini pour cette vidéo. Oulé, on met les gyrophares quand même. Hein. Ça va déjà être la fin de cette vidéo de l'épisode 7. Putain, hey, Guillaume, dis-toi que j'ai reçu déjà l'épisode 7. T'as même pas mis en ligne le premier épisode.
Je l'ai mis en ligne, mais elle a bugué. Ouais. Du coup, les deux vont sortir en même temps. Demain? Ah ouais, demain. Parce qu'on est mardi soir alors à laquelle je tourne la vidéo, donc Ah merde, ouais, d'accord. ta gueule. J'ai 4 jours de retard, mais ça va. 4 jours, pratiquement une semaine, enfin bref. Non, Ah non, par rapport à ta vidéo découverte, ouais. Je croyais que tu parlais en fonction de moi, parce que moi, le premier épisode, il est sorti mercredi de la semaine dernière. ben non, dimanche. Toi, oui, moi, non. Allez, on va aller moissonner un petit coup, tiens. Ah, le champ 21? Ouais. Ah bah, je vais venir après, Guillaume, t'inquiète. Non, pour rien de toi. Ah, d'accord. Et si j'ai envie de jouer? Bah bien. Ah, bah, d'accord, moi, je vais venir après. De toute façon, faut que tu sèmes. Ouais, bah, je pensais le faire en vidéo, mais bon, c'est pas grave. On fera autre chose en vidéo. Bah, tu peux se mettre en vidéo. Mais toi, tu voulais pas tourner, tu m'as dit. Tu peux tourner sans moi. Mais t'as dit qu'on voulait, tu voulais se mettre, enfin, tourner en même temps. Comme Bah ça, non. qu'on ait deux points de vue. Pas obligé. Ah, mais j'ai cru que c'était obligé, c'est pour ça que je voulais. Enfin, bref. Non, bah, t'as des pas obligé. Comme ça, épisode 4, c'est en multijoueur, on va la bourrer. Enfin, la Et bourrer, n'importe quoi. si on Ouais. filme pas en même temps, c'est de montrer ce qu'il a fait l'autre. Hein? Si on filme pas en même temps, Ouais. c'est de montrer ce qu'il a fait l'autre. Comment ça, tout ce qu'il a fait l'autre? Ah, par exemple, là, tu vas semer, et du coup, il faudrait que je montre que t'as semé. Putain, ça fait pas de couleur lumière. Hey, mais en fait, j'étais en train de me dire un truc. Ah là, j'ai peur. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Parce que du coup, j'ai vendu mes deux machins. Bon, il y en a un, il avait 16% de dégâts, enfin bref. J'ai réparé et puis j'ai réussi à le vendre encore plus cher que les réparations. Tant mieux. Bah oui. Bon, c'est pas beaucoup non plus, mais c'est quand même ça, quoi. Alors, du coup, le petit combiné. Hop là. Le truc à l'avant. Ouais, par contre, j'ai eu des bugs. On met le truc à l'arrière. Et le petit tuyau. Vous n'avez pas accès à ce terrain. Merci, Captain Obvious. Allez, hop, c'est parti. Bon, je devrais avoir un panneau convoi agricole, vu que j'arrive pas à replier ma merde, mais bon. On va faire comme si de rien n'était. Ouais. Allez. Tranquillement, tranquillement. Ouais, il fait 4 mètres ce semoir. Ouais. Eh, mais j'étais en train de me dire un truc. Oh là, j'ai peur. En fait, en vendant la maison et puis les véhicules que j'ai et racheté en fonction de tout ce que j'ai racheté, en fait, j'ai fait plus d'argent. Je me suis fait de l'argent, je me suis fait 14 000 euros. Waouh. Ça veut dire que si j'avais pas vendu la maison, il me resterait encore 14 000 euros. Waouh. Ou un truc du genre. Waouh. Ouais. Tiens, il coûte combien le terrain 23? Hop, hop. Il coûte 200 000. Ok, bon bah. On verra ça une autre fois. Voilà. Parce que du coup, si là je fais le champ là, bah, je vais le labourer sur les côtés pour leur agrandir quand même. Parce que sinon. Voilà quoi, il fait un peu petit pour son prix. Mais bon. Oui, j'ai shooté le panneau, j'ai oublié que mon semoir il faisait un mètre de Ah. plus. Oh, arrête de te foutre de ma gueule, Guillaume. Je m'en fous de ta gueule. Arrête, t'es comme ça. Waouh! Je vais le faire voir. Waouh! Non, mais c'est en mode de foutage de gueule, donc. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Voilà, du coup, il y a ces petits trucs là à passer en réparation. Et hop là. Les petits sous. Ouais, bon. On va prendre sur la petite remorque ici. T'as quand même mis des vidéos? 20 pratiquement. Voilà. Le chargeur il est plein. Enfin le chargeur, le réservoir, pardon. Et puis on va le mettre là-bas, sous l'autre hangar. On va mettre la charrue ici à côté parce que là il est un petit peu. Voilà quoi. Hop, les petites marches arrière. On pose ça là. Et un petit demi-tour à la vraie cassée.
Voilà, du coup la benne, j'ai pas besoin de la réparer vu que bon bah elle est tout pratiquement neuve. Hein. Du coup le pulvée il faut que je le répare, la moissonneuse il faut que je la repare. Je vais l'appeler. Oui. Voilà. Appeler réparer 500 boules pour réparation. Merde. Bouge le tracteur de la Michel. J'ai pensé 500 euros, mais putain, pas me le détecter ce merdier là. Là, t'as intérêt à me le détecter. Voilà, réparer 76 euros. Ben, comme ça me change des 500. Enfin, bref. La clé, du coup tu vas pouvoir te ranger. Je vais le nettoyer une prochaine fois là, c'est pas le moment on va dire. Ah. Putain ma charrue, j'ai juste de voir qu'elle a vraiment plus de peinture sur les corps, enfin sur les socles, pardon. Putain de poteau de merde. Ah, ça c'est con. De quoi? Qu'est-ce qui est con? Je suis pas con, moi. Non mais qu'est-ce qui est con? Quoi? Quelle chose? Fait haut. Hein? Il fait beau. What? J'ai monté le poteau en marche arrière. Là, du coup, comme vous pouvez voir, ma charrue elle est vraiment utilisée. Voilà, elle a perdu pratiquement toute sa peinture. Je sais pas à combien elle est en dégâts, mais pas mal. Je crois qu'elle est à 4 ou 5%. Rien plus beau. Appelez. On n'est pas le tracteur, pour ce con. Mais arrête de me. J'ai pas envie de réparer le tracteur, je l'ai déjà réparé. Hein? Non, il veut me réparer mon tracteur. Alors, bah, vous voyez, état 0. Donc, la barre de l'état était totalement vide. Ah, bah tiens, elle a retrouvé sa peinture. Ça passe, c'est passé. Ça passe sous la casse. Il a aussi sa. Passe en quelque sorte. Voilà. On va passer à l'indépendeur, après l'autochargeuse, après la moissonneuse et ce sera fini. Malheureusement. Alors. Oui, du coup, excusez-moi pour cette petite intervention de. Voilà quoi. Guillaume sait ce qui s'est passé. C'est sa maman. Et toi? Donc, réparer, ouais, bah 13 euros. Comme ça, il est réparé. Voilà. Guillaume, tu sais ce qui serait stylé? Que je suis à ma gueule. En partie, oui. Tu sais ce qui serait vraiment stylé alors? Ah, tu as envie de dire? Ouais. C'est qu'on puisse jouer à farming dans farming. C'est une mise en abîme de farming. Attends, en famille, dans famille. Oh là, toi Genre tu tu vois tu vas dans ta maison, t'as un ordinateur, tu peux aller dessus pour jouer à Farming. Oh putain, toi t'es pas né. Pourquoi? On joue à famille, dans famille. Bah pourquoi pas? Toi t'es pas né. Allez Bref, hop, la petite ça touche monte moi farming. c'est une mouche. Hein? Je moi c'est une mouche. Hein. Oh, je vais te rejoindre après, t'inquiète. Là tu me manques. Ah bon? Non. Si là je faisais vidéo genre avec du montage et tout, j'aurais fait un popopo mais non Ah réparer. oui, Hein? tu me manques. Ah bon? Ouais. Ah En tout cas, comme ça, il n'y a pas de montage. pas du tout. De toute façon ça Ah changera non. rien. Tu me manques pas. Ah bah tant mieux écoute hein. Comme ça t'évite d'avoir un vide dans ta vie. Alors du coup le tracteur, je vais le foutre devant le pulvée, tiens, allez hop. À deux. Il est bien là. La petite moissonneuse. On va aller la réparer, même si c'est pas grand-chose.
Même si c'est pas grand chose, ça va déjà être la fin de la vidéo. Une vidéo qui sort vendredi normalement. Voilà. Pareil, 72 euros. Ils me font chier, hein. Ils font jamais ce que je veux. Enfin, bref. Ah, moi je me fais mon petit champ impeccable. Et pareil, 168 euros. Voilà. Hop là. On va ranger la machine et on va s'arrêter là-dessus. Du coup, moi j'ai créé un raccourci sur mon moduleur. Enfin, bref. Allez hop, petite marche arrière. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Guillaume qui sera bien évidemment dans la description. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao! Allez!